De Ouf. quoi? Bon. On va revoir la Alors, finale. c'est Derek a choisi. Derek a choisi de jouer sérieusement là. Il pas sort à Lucina et c'est fini, c'est définitif. Non, c'est pareil pour Neon avec son Mewtwo. 3, 2, 1, go! Faut savoir que les deux-là se sont quand même beaucoup affrontés en friendlies. Bon, Vague Mewtwo. Lucina Mewtwo. Ce que je peux dire du match-up, c'est que Mewtwo, il y a une grosse hitbox. Lucina aime beaucoup balancer des disjoints. On voit un petit penchant du côté en faveur de Lucina parce que les disjoints sont quelqu'un qui extend beaucoup sa hitbox. Une hitbox énorme, tout. Ça fait un avantage, on va vouloir chercher les joggers encore une fois que les optiques et les repères. On est sur ce... le side beat pass. Attention. On cherche les blagues pour le smash, mais bon. Est-ce que Will t'annonce les commentateurs? On voit une certaine difficulté à trouver un kill. Les deux sont patients. Ouais. Veg va chercher, Veg va faire un peu agressif. Il a été pogné, je crois, mais. Faut faire attention à l'avenir avec ça. Avec une petite réponse, on va dire. J'ai une qui cherchait les sliding et tilt, mais il a rencontré le Selby de Mewtwo. Les deux sont en pourcentage de kill. C'est tout du bon kill par eux, mais c'est Vec qui va avoir le disque spike, mais ça va pas tuer. Neon va pouvoir revenir. Très merci, ça, quand c'est par Neon, ouais. On va réfléchir un peu. Neon qui balance un projectile dans le vide. 142%, c'est un stock lead qui ne durera pas super longtemps, quand, surtout contre un personnage comme Lucina, qui a autant de difficultés à trouver des kills avec des backups et des petits moves comme ça. Et on a le temps. Nian est en train de profiter de vos pourcentages. Ça va donner un avantage à Nian assez considérable pour la load stock. Ça ne trouvera toujours pas le kill du côté de Veg, mais le Veg va finalement le faire. Les Hurtbox Extension et Mewtwo comme ça, ça rencontre des disjoints, c'est un mauvais match-up contre. Mais Nian qui trouve toujours pour les petits grabs, pour les interactions qui gagnent. Oh, attention. Un sport smash. Oh. Bon, mais ça... Ça, c'était bien, ça. Et ça, c'était sûrement... Oh, ouais, c'est une stagnante. Non, c'est la porte. Nian a le lead. C'est un lead assez important parce que les deux sont en pourcentage à peu près égaux. On risque de voir. T'as tout fait. Oh non. Oh non. Oh non, pas ça. Oh. Ok. On va voir si Nian sera capable de surprendre. Attention. Oh, attention, on est passé proche. Nian a toujours l'avantage. Le pourcentage Veg est à 71. C'est assez élevé. Même si on a vu que le match-up était à l'avantage de Veg. On va voir si Veg va trouver les bons moves. On a le kill power. On fait attention au counter. On va avoir un ledge trap. Il s'en sort. Avec de ledge trap, il manque son ledge trap. C'est un peu dur parce que ça aurait pu être. Ça aurait pu être le set. Oh, attention. On cherchait pour le grab. Ouais. On va fish pour le kill, oui, effectivement. C'est pas trop grave, c'est pas un pourcentage dans lequel on peut se faire tuer, mais Veg a le range maximum. Oh non! Ok. Ici, un back throw réussi. Charles Bay qui kill, c'est le Charles Bay qui kill. Ça arrive. Ouais, je l'ai dit. Mais dans les situations comme ça, les personnages avec le moins de risques puis le plus de reward pour leur peu de risques, c'est assez... Fallait pas le... Mewtwo qui fait du commitment à chaque fois qu'il fait des moves. Attention, on va voir. Pas grand chose à spammer ses attaques. Ce sont des cités de Gentleman PS2, fait que je pense qu'il va rester sur PS2 pas mal toute la set. On va voir. Ok, non, ça va rester sur PS2. Ouais. Neon a voulu rester sur PSD. Fait que on va rester là-dessus. Une revanche. Même stage. J'imagine que Neon n'a pas de problème avec ça. Il est tout sale. On sort les conversions. Ouais, mais l'avantage que Neon a pris devait pouvoir déclarer gagnant. Mais. C'est.
Pourquoi ça? Bah, je suis c'est accidentel. C'est ça. Je vais trouver un avantage à ce disjoint. Ok, on va pas argumenter dans le commentary, Will. Nien, déjà un kill pourcentage. Vec, qui cherche le edgeguard. C'est beaucoup de l'edgeguard. Oh, attention. Un avantage, je suis tout à son nom là. Et oui, Nien, trouve son vanté. Oh, il ne peut pas être contré. Ça donne un avantage. On a le FP, on n'a pas non, de. Non. Down plus B. Plus B. Le mec, tout le down tilt, même s'il avait été shieldé, il va être safe. Et. Oh non, non, non. Il va. Lash peut pas, c'est comme ça qu'on parle. Et c'est comme ça que Veg prend le lead dans cette deuxième game. Je gueule un peu avec ses uppers, c'est B. On a rien fait avec B vers le haut. C'est bonne connaissance de pause, on fait les uppers, coup de juggles. En ce moment, le moral d'Anien est au plus bas en ce moment. On perd les stocks. Les deux sont tranquille pourcentage. Jake se juggle assez bien. Oh, il fallait aller pour le grave, fallait aller pour le grave. Ah, moi je parlais bien. Le four throw. Ah. On cherche pour rentrer le backer, mais c'est pas passé. 57% c'est le pourcentage assez dangereux à cause de la rage des vaccinales. Nien devrait pas trouver kill parce que beaucoup de kill power sont du tout. Oh, avec Burr, on est à 136%, Vec, y'a pas beaucoup de rien, il move plus de reward. Voilà, le backer. Voir si Nien serait capable de faire le même comeback que la dernière. Et c'est assez dur de rattraper. C'est surtout une question de knockback en fait. Vec qui va encore montrer ses juggles avec des petits backers, des petits uppers. Mais Nien qui réussit à reprendre, à transformer une phase d'avantage de l'adversaire en une phase d'avantage pour lui. Vec qui rejoint les uppers, qui va re-rentrer les upkills, encore un juggle. Nien qui réussit à s'échapper cette fois sans avoir le même mix-up vertical qui la faisait rester dans le juggle de game. Les pourcentages sont plus égaux. One. Que Nien arrive à s'adapter au style de jeu de Vec, le style assez safe. Nien qui va réussir à reprendre, à ne pas se prendre des pourcentages, qui fait beaucoup plus attention. Il spot dodge, mais malheureusement Vec qui reste toujours aussi straight et qui reprend encore un kill avec le sidekick. Définitivement Vec sait comment faire un kill, Vec sait comment close un stock. Nien va avoir de la difficulté. On va voir, enfin qu'on va voir. 2-0 pour Vec. Attention, on a un changement de personnage. On va voir c'est lequel. Si Nen s'est bien fermé sur Lucina, va peut-être prendre un counter matchup. De Pichu. Ah, pas cool. vu comment elle m'a battu avec son Pichu, ça finit sur les Diablock. Ouais. Ah, c'est vrai. Bon, moi, je suis pas bon, les autres sont. Voilà. Non, c'est comme ça que ça marche. Elle s'est même pas nié, c'est comme ça que ça marche. On n'a pas peur de la juggle game d'hallucinant, on n'a pas peur du disjoint. Nien est allé troll co, c'est sûr que c'est un matchup qui doit être un petit peu moins difficile que Mewtwo, parce que Mewtwo, comme on en parlait tantôt, la Redbox extension ouais. Et disjoint, c'est dur, c'est très dur. Ça commence déjà. Ils vont être beaucoup utilisés. C'est pas tant bon les lasers parce que ça attrapera pas dans les airs. Puis Vec, c'est Lucina aime bien les choses là parce que c'est un lieu assez safe, surtout en retreating fair et tout. On call l'air dodge, mais Vec qui drift away, qui sait que c'est dangereux, qui sait que Falcon a un bon smash. C'est bien vu, mais le kill va te déjà plus. Il nous montre que. Restez jouer avec le personnage quand même. Oh. On va revenir, on lève pas les traps de la part de Vec.
Nien qui va reprendre encore des combos, encore une fois. Falco, une assez bonne combo game. C'est bien joué. Bon, je vois un personnage qui te semble porter ses fruits pour l'instant. Dans du match, on va voir. On cherche les traps. C'est assez bien trouvé. Qui évite la clip attaque, du coup, c'est ce qu'on veut éviter contre Lucina. Backer sur le stage, j'ai pas de tech. Mais pas le tech. Il y a le prospect. Le prospect arrive pour mieux. Changement de personnage, ça avait assez efficace. On va voir si Veg va pouvoir s'adapter parce que là, pour l'instant, il passe. Encore une fois, le hop assez agressif. Il réussit à kill cette fois. Les combos sont partis. PPMB, go in. Non, mais ça c'était dangereux ça, comme smash. Oh non, regardez l'avantage. Non, c'est là ça dit. C'est assez serré. C'est beaucoup mieux que les deux parties. On voit clairement que le match-up joue. C'est beaucoup plus facile pour le coup. Ça, je vais prendre ça en clip, j'avais... Joint. Ça y est, Smash Most Wild Offstage Gameplay. Oh, ça va être cool. On va voir s'ils vont rester encore sur PSE parce qu'ils... PS2 overrated, change my mind. En passant, la grande finale, c'est Blob et moi qui la commande. Je veux le plus hype possible. Mais, fait que là, les deux personnes qui sont arrivées dans le serveur, Blob, est-ce qu'il veut participer ou il veut genre juste commenter? Ouais, mais Blob, c'est un hype commentateur. Ce que t'as entendu, c'est comme un théorie de ta partie, Nubil, c'était hype. Mais c'est parce que vous n'auriez pas dû rester en vocal en même temps qu'on jouait. Nyon reste avec son choix extrêmement solide de Falco. C'est un bon Falco. Reste avec son choix très solide de Falco, beaucoup plus efficace contre Lucina que Nyon. Commence avec les lasers. Combo. Qui se laisse combo assez. C'était un petit 50%. C'était assez trou, assez bon de la part de Nyon qui manque. Avoir une combo game, ça n'est pas beaucoup, mais Veg juggle parce qu'on est sur Battlefield. Veg a choisi Battlefield. On a vu dans nos autres parties tantôt pourquoi Veg choisit Battlefield. Il aime les up air, il aime les up tilt. Il aime la Veg. J'en ai un part comme un bonhomme. On a deux personnages qui font en ce moment. On a deux personnes qui ont. Veg en jeu avec ses objets agressifs, Veg qui challenge le side B. Attention. Disjoint, on challenge le side B. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça donne le jugard. Non, l'air d'être dangereuse. Non. Attention. Oh. Ça, c'est un bon read, mais un peu en retard. C'est drift, ah oui. On a Veg qui va encore pour sa négative. Le CBR assez gratuit. C'est son OP. Il voulait challenge le tag B, mais il n'a pas réussi. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais la option OP, tu vas l'avoir. Veg, il montre encore une fois, c'est upper. C'est upper sur Battlefield. C'est un magnifique grand OP. On a voulu le Near One pour F-Smash, mais il est parti dans la mauvaise direction. C'est dommage. On a beaucoup de difficultés dans cette game 2, c'est surtout qu'il fait beaucoup de juggle. Veg a voulu interrompre le side B qui a pas réussi. On a de la patience sur le tuto left. Veg qui reste devant ce ledge game qui fait un smash. Dernière chance pour Nyon de reprendre. Ça pourrait être effectivement la fin du set juste ici. Nyon est allé pour un backer. C'est beaucoup plus efficace que d'aller pour le. Attention, le smash! Le smash parce qu'on a vu que Veg est très après le down air. Ian qui sait tech. Il est à 45%.
C'est pas du tout impossible. Veg 56%. Sa stock devrait partir bientôt. On fait les back throw. On est en situation de l'escrap. C'est un peu risqué professionnel. Oh non, c'est la faute de Oh, c'est la faute de sur un coup de tour. Le esti. Veg. Et je vais aller appeler mon commentateur préféré.